Amen, chrétien. Il dit, allez faire des. Celui qui met la pratique, la parole et le met en pratique, c'est un disciple. On doit revenir, on est chrétien. Après ça, les gens disent, c'est des chrétiens. Ne m'entendez pas. On dit, non, voici ce disciple Jésus. Sinon, je te dis, ici, ceux qui mettent la parole, du mettent en pratique. Amen. 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 Il faut que la parole de Dieu soit en esprit et en vérité. Donc, c'est en esprit. Il faut que ça soit en vérité dans ta vie. Consente que Dieu est là. Frère, quand Dieu est quelque part, on a le sens, c'est le sens. Mais il est absent, on sent qu'il est absent. Amen. Amen. Quelqu'un dit amen avec moi. Amen. Je veux amener Dieu à être avec toi. Dieu avec toi, ils n'ont qu'à se lever contre toi. Tu seras toujours vainqueur. Ça n'exclut pas le combat. Non. Dieu n'a qu'à être avec toi. Ça n'exclut pas le combat. Ça n'exclut pas que les gens viennent te déranger. Mais toi, la victoire. C'est tout. C'est bon. Quand Dieu a conduit la mer rouge, les mains de la mer, plus puissant qu'on appelle Amalek. Tu as dit non, ça c'est les Égyptiens. Mais vous, vous n'allez pas vous écraser par les Canaans. Parce qu'il savait ce qu'il est à Canaan, le lait, le miel. Oui, il va se réveiller. Mais, ils ont commencé à réveiller le chiffre. Moïse est monté sur la colline. Moïse dit pas, tu peux crier. Amen. Et pendant que ses mères commençaient à s'affaiblir, le père Amalécite avait la victoire. Le jour où tu vas commencer à t'affaiblir dans la prière, il y a un coupé notre couille. C'est que ton territoire commence à être pris par Satan. L'âme la plus puissante du chrétien, c'est la prière. Qu'est-ce que tu as fait? Quelqu'un qui amène avec toi. Quelqu'un qui amène avec toi. Peut-être que le diable t'avoir, il va t'avoir attaqué ta vie de prière. Mon Dieu, mais comment il y a une vie, viens, on dit. Mais c'est quand le juif crie. Mais encore, je crie encore. La Bible dit que la prière fervente du juif est une grande efficacité. Quand tu as vu le décalage du cadre, tu as été justifié par le sang de l'agneau. Et hier, je dis, il est tout le monde. Ça ne peut pas venir te culpabiliser. Mais mon Jésus a besoin de fourrier. Je lui dis, on parle de la fourrier. Vous ne savez pas qui vous représentez. Son sang. Oh, c'est l'idée de son sang. Oh, c'est Dieu sauvé. Si Satan vient t'accuser pour un péché, il y a un avocat. Il y a un cas, ne vous pas. Vous savez, quand quelqu'un, vous voyez quelqu'un dans les gens d'avocat, et il ne répond pas. Quand on est pauvre, on a un avocat qui vient plaider. Quand Satan me dit, Jésus, moi, je vais parler. Mais ça veut dire le ministère que Jésus exerce dans le ciel, ça nous est l'avocat. Je dis que non, non, mais moi, là, je ne peux pas. Allez, chouris, ça ne veut pas. Mais, ami, d'accord. Amen. Amen. J'ai été justifié par le sang de l'agneau. J'ai appris. Oui, 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 oui. Et la Bible dit, quand on voit le juste crie, le Dieu à moi, ta prière efficace. Ta prière efficace. Vous avez des gens de crasso. Je suis en train de dire. Tu peux mettre des gens de crasso. Je connais tout le monde qui a cassé pour plus. Parce que j'ai la révélation des choses. Mais quand vous aimez, là, ami. Cette personne dans les crasso, cette personne de crasso connaît des choses. Crasso, il oui, mais comme elle est, vous voyez. Terrible envers la parole de Dieu. Encore, prenez la parole de Dieu. Prêtez-moi ça. Sans problème de croire prêtement. Il y a quand même le registre, moi, il faut tirer. Il dit tout âme forgée contre moi sera sans effet. Quand je vois, je m'appelle à ce qu'il peut croire. Pourquoi il croit ce verset là? Ça ne fait pas sa compte. Si toi tu penses que âme peut faire, ça va rentrer chez moi. Quand moi, je connais, elle est oubliée. Parmi tout le monde, elle est oubliée. Après.
Moi, je ne dis pas la Bible, lire parce qu'il faut lire. Et j'ai dit, mais avant, je vais vous montrer. La révélation des pétards qui m'intéressent. Il y a que vous reconnaissez. C'est la révélation de la parole. Mais moi, mais oui, mais. Amen. 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 Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas n'importe qui. Arrête de parler. Tu es en train de plénicher. J'ai dit, l'âme la plus puissante du chrétien, c'est la prière. Le jour où tu commences à t'affaiblir la prière, et nous, nous commençons à pleurer. Qui veut pour que ton guéritoire te dégage? Parce que la chose qui va commencer à détruire, c'est pas ton contact avec Dieu. C'est pour ça qu'il faut prier. Dans la semaine, il faut avoir moins deux jours et demi de jeûne. Vous ne cherchez pas Dieu. Amen. Amen. Mais c'est vrai. Mais là, nous, le chef véritablement. Et quand on va on ne va pas te transformer dans ta vie. Il a commencé à Gaïa, Via, un enfant de. Il est pas là. Dans ta soie, Gabri. Il est là. Il est là. Vaincu. Le ciel. Un enfant de 3 ans. Il est là. Il est là. Il est là. Un enfant de 3 ans. Il est là. J'ai dit au péter au vieux. Il y a un enfant qui t'a béni, mais ça fait. Il y a l'autre. Un enfant a béni. Il y a un autre. Un autre. Oh. Alléluia. Amen. Non. Dieu ne vous a pas créé. Il est quelqu'un qui vous dominait. Non. Et le but de l'homme, c'est de dominer. Quand les têtes ont. Je viens le chapitre 1, le verset 2. Je viens de dire que c'est un. Et c'est dimanche, c'est un qui doit entrer le père. Voilà. Laissez-moi vous enrichir. Merci. Tu t'es d'accord, dis amen. 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 Si quelqu'un vient te programmer, il dit demain tu vas mourir. Donc quand il tourne, il te programme à 11h avant les taxis. Donc pourquoi tu as beau, les gars, ton fils, il faut que tu lui. Et ils connaissent la parole. Ils savent que c'est qui en toi, c'est le Saint-Esprit. Oh, il a un peu de croire à ce qu'il dit, les gens qui savent les faits. Si tu ne crois pas, ça ne va pas les faits. Non, je fais rêve, t'as vu. C'est pas moi, ta vie. Amen, non, il y a mis. Moi, je fais assez quand maintenant. Amen, t'es au milieu. J'ai mangé quoi? Il j'ai dit quoi? Il est là. Je suis allé où? J'ai mis. C'est pas moi. Allez où? C'est le voisin. Eh, il va prendre mon sac. La vie dans ton rêve. Moi, j'ai mis, mais allez où? Dieu l'a fait comme me protéger. La raison nous a pas mis. Je suis tous ceux qui créent les barrages du danger. On a la fonte. On sort. C'est pas moi, je sais pas si moi t'appelle. Amen, il y a un. Ça n'est pas le rêve. Il a un naïve. Toi, tu crois ça? Mon âme, il va avoir des bénéfices. Et quand tu as le pouvoir, parce que tu as le pouvoir mon gâteau, de neutraliser. Non, quand il a ça, le rêve. Yeah. Mais d'après moi, là, oui. Petit enfant vient t'attraper. Oui. Mais tu as eu le cas. Mais t'es moyen pour fou. Non, non, mais vous. Amen. Il prend ta tête, il prend ton cerveau. On vient même y croire, on vient nous voir. On prend, il prend du bon esprit. On dit, on est dans les bains. Et tu es là, la fin des gens. Et on est ici, on est dans les bains. Amen. Tu vois, il y a des choses, c'est venu dans ma chambre. Même il y a un peu, il y a un peu. Comme il y a, oui. Alors, comme il y a dit, venez. Non, oui. Mais il ne fait pas. Oui, il n'a qu'à venir. Venez. Aïe. Vous avez faim. Bon, on vient. Venez. Aïe. Vous êtes très dangereux pour le royaume de l'Israël. Amen. Amen. Quand tu connais tes droits, et quand tu, oui, oui. Tu n'as pas peur. Et quand, il y a, quand une situation se présente, oui, quand il, tu gardes la sérénité. Et quand il prie, il va dire. C'est pour ça que Dieu a dit à Moïse. Non, quand il Moïse, pourquoi les gens m'humilient? Il n'a pas humé bien là. Ils avaient raison, c'est l'océan. Non, non, non. Ils n'ont pas raison. Moi, quand même, oui, il fallait traverser l'eau. Il va digner. Il fallait que l'océan, la mer, digne. Je connais ce qu'on appelle la mer. Aïe, j'ai l'eau, la mer, digne. J'ai déjà fait des voyages avec des yachts sur l'eau. Un peu d'eau, un peu d'eau. Voyager, un peu d'eau. C'est ce qu'on appelle la mer. Il y a. On a des Moïse, on a des la mer. Voyez Moïse, il y a des. Il ne peut pas aller faire camarade, il y a des Moïse. Ah, oui, ça ne fait rien.
Même si on devient boy de Pharaon, on va donner manger un peu. On a gagné un peu. Et de nous voir noyer dans la mer. La seule solution, c'est aller faire camaraderie Pharaon. Pharaon est sûr. Mais pardon. Retirez nos oreilles pour nous frapper un peu. C'est ça le problème des chrétiens. Quand il y a une situation, vous oubliez Dieu. Amen. Vous êtes dit dans les années 43, même si tu traverses des eaux, je serai avec toi. Amen. Mais les eaux ne te submergeront pas. Même si tu traverses le feu, je serai avec toi. Le feu est en parlant de la femme. Je n'ai pas ce qu'il Gardez le silence. Tout dépend de toi. Et puis, moi, une situation qui se présente oui, à la voix de Dieu est un miracle déguisé. Et là, vous êtes attendu. Et le cousin. Qui peut faire de Dieu? Allez, la cancer. Israël appelle Jova Shabaoth, l'éternel, le Dieu des armées. À moi, Dieu porte Réhi. Le jour où tu vois les députés, dit Jova Shabaoth, il porte Réhi, puis Dieu. On vient, on sait, mais encore là, maintenant, il est en voyant tout. Il y a le nom de Dieu, je vous apprends. On vous montre pas les choses. Vous mettez qu'on aime, mais je ne vais pas te montrer. C'est des bandes de voleurs, d'escrocs, sorciers. Tu as pris, tu as donné ton 25 francs. Tu as donné 50 francs, tu as pris. Amen. Si tu penses que c'est jeton, Dieu doit te donner jeton. Continue de donner jeton à Dieu. Tu vas te donner plus jeton. C'est toi qui as commencé à faire des jetons. Moi, qui a beau, Agnelio. Ou bien, qui a commencé? Alors, tu dis, on a commencé, la vie vient achever. Mon cabou, qui m'a bien. C'est Dieu, c'est quand frère, tu ne veux pas. Ignore. Bon, son frère, ignore, mais. C'est ce qui va donner pour toi aussi. Mais, il y a quoi, tu as un peu un son. En français, on a laissé la faire jeton. Aïe, il y a quelque chose qu'on jette. J'ai même pas fait. J'ai dit, parlez. Conjuguez le verbe. J'ai dit. Donc, il n'est pas jeté, mais j'avais donné à Dieu.
un pas. C'est un système. C'est ton qui va te donner. Mais moi, je ne la pas. David dit, je ne peux pas offrir à l'Éternel ce qui m'a pas coûté cher. David est là. Et là, il y a la gueule, c'est maintenant. Amen. Amen. Dieu dit, celui que tu aimes, Isaac. On l'est, je m'en fous. Isaac. Isaac là. Isaac. Oui. Comment Dieu le bête. Amen. C'est comme ça que Dieu bénit. Je l'accompagne. C'est tout. Eh bien. Moi-même, je regarde. Et tu vas gagner 1000 francs. Et tu vas t'aider à faire commerce. Je sais que si je te donne 10 000, et moi, pendant un mois, tu vas me payer. Et tu sais que tu ne peux pas avoir ça. Et quand je viens de te délivrer et la vie pendant des jours. Amen. C'est comme ça. C'est vrai. Donc quand je suis dans les difficultés, Dieu se souvient qu'un jour, une personne est dans la difficulté, j'ai délivré cette personne. Vous parlez de crasseux de faire malin. Moi, je suis pas politicien. Ah bon, quand il était quand je donne, je sais que j'ai été en train de servir. Mais un gagné, il est là pour le coup. C'est tout. C'est vrai. Le seul moyen de ne pas faire des gains pour recevoir. Et toi, il a gagné. Il est délicat. Oui, j'ai compris, tu vas toujours recevoir. Il y a un nom, il y a un nom. Vous ne donnez pas, vous savez que vous ne recevez pas. Ah, il y a donner à Jéton. Avoir l'esprit de Jéton qui sera en vous. N'aime pourquoi vous fumez le rebond. Vous pensez qu'il vient faire au plan. Comme quand même. Amen. 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 Je lis le chapitre 1, le verset 26. Je le dis. Écoutez très bien. Laissez-moi vous finir la parole. Attends, c'est bien. D'après les dieux, il y a des niveaux, il y a des dimensions. On est d'abord enfant spirituel. Et au fur et à mesure qu'on mange, les nourritures, on grandit. C'est ça. Tu ne peux pas rester en train de prendre ces relâches, non? Il n'y a pas de gars, il va. Il n'y a pas de manger un bodamaï, il faut faire un poisson ton. Il y a un bodamaï, il y a un ton. Et de là, c'est ton nom, ces relâches spirituelles. Tu ne vas jamais grossir. C'est quoi, quoi, l'esprit des bébés? Il va, quoi, il y a dit. Mais lui, il peut être là. Allez, jamais tu demandes Jean 3, verset, tu connais ça. Jean, ta. Jésus est né où? Jésus qui est à Canada. Il dit à Saloko. Oh, Saloko. Fais-moi qui connaît pas. Oh, j'ai mis. Jésus est à Canada. Il est là, Saloko. Saloko. Je suis pas du monde. Où est-ce qu'on vous donne ton Jésus? Il ne connaît pas. On dit. Il est là, il va à l'église. Bon, on me parle. Il va dormir. On me parle. C'est toi, c'est fini. On va regarder. Ok. Pas la maison. C'est où? À l'église. On a parlé sur moi. D'aller dormir. Ça fait n'importe quoi. L'église est là pour transformer l'homme. L'église, vous voyez là. Pour transformer l'homme. On nous a formé en tant que pasteur, homme de Dieu. Pour transformer. Donc une église qui ne te transforme pas, un mot que Dieu connaît, un prophète, oui, combiné. J'ai un prophète. Oui, connu là. Amen. On va te montrer comment avoir l'argent, comment être. Alors que j'ai le chapitre, Genèse, tout ce groupe là, renferme là, écoutez. Plus Dieu dit, plus Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Parce que nous sommes là, nous les hommes. Notre homme, à notre image, avec les anges. J'ai eu un conseil. J'ai décidé de faire l'homme. D'accord. Alors, nous, comment? Selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Non, c'est possible. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit,
soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez. Amen. Amen. Remplissez la terre, multipliez. À nous, le Messie, à prospérité. Assujettissez la terre. Là, vous êtes dominé, possédez l'environnement. Vous devez dominer. Amen. Amen. Il y a toutes les choses qu'on a besoin de vous apprendre. Ton champ ne produit pas parce que tu n'as rien dit à ton champ. Amen. Amen. Jésus dit, c'est que moi Jésus ai fait là. Amen. Vous pouvez faire ça. Allez, mais nous. Il est plus grand. Il est complet. Jésus n'a pas montré le figuier. On est sur le figuier n'a pas séché. Le, on est pour donc, il ne fait pas là son cacao, cacao va dormir. Il est grand, moi, il y a déjà beaucoup d'expérience. Il dit, je fais combien de temps? Il dit, je ne fais même pas une tonne. Non, un platon, non. Je mets dans son champ, je verse lui. Il dit, la prochaine de corps, tu feras deux tonnes. Non, mais. Il ne fait pas deux tonnes. Je ne suis pas prophète. Parce que le prophète, c'est celui qui parle. Il dit, lui, mettre 30, ça fait deux tonnes et demi. On y voit que. On y a son la Bible dit, c'est pour dominer sur les plans. Allons-y. Sur les pétales. Tu peux dominer ta parole, que tu as fait à son image, la puissance qu'il y a, tu as ça à toi. Assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la semence. Donc on a parlé de l'autorité de chrétien et le pouvoir du chrétien de là. Le chrétien de l'autorité, parce qu'il a un pouvoir. Il a un pouvoir. Ça dépend de comment tu fais ton pouvoir. Jésus n'a pas chassé que les démons. C'est que la nature, la balle, la tempête. Oh, calmez la tempête. Pendant que les gens murmuraient, la tempête. Parce qu'il doit dominer sur tout. Et donc, c'est pas côté de Dieu. Tu as le pouvoir, la domination. Là où tu veux, tu dois être le meilleur. Il a un moment où on dit amen. Moi, il dit quand je me lève, Dieu. Amen, je dois je dois le meilleur. Allez, non, faut que dans 10 ans, 15 ans, dis-moi, et le Seigneur se met là. Qu'est-ce que tu sais, vous ça. Il ne voit pas le matin, nous, nous, je lève ma main, dit Dieu. Amen, je vous donne un jour. Il y a la caméra. On va parler de la famille. Amen. De l'argent pour tout le monde. Ouais, c'est un yes. C'est un l'argent. Vous allez vous venir à l'église. Les gars, je dis dans un pas oui. Je vous dirai pas Jean 3, verset 16. Et c'est un Jean d'art. Pourquoi Jean 3, verset 16 à moi? Jean 1, t'as le même père qui veut ouvrir la bouche. David. Et vous connaissez ça? Oui. Il y a plein de regards dans le monde. Et les gens, il y a un peu. Vous quittez Christ? Moi, je suis mort en tout cas. Tu en es plus de 70 000, si vous voulez, 100 000, moi je connais quelqu'un. Il a dit 70 000 francs. Je l'ai appelé un matin, il m'a appelé chez lui, il fait sa délivrance. Et là, on va dire. Puis il a, moi je n'ai rien. Puis il m'a connu. Il fait tirer ça dans son tiroir.
Oh, vite, il y a un père qui est comme ça. Oui, un problème. Il me dit, professeur, c'est 70 000. Oh, problème, moi, je peux gagner 15 000. 5 000. Ben, oui, il y a un cas. Et je crois que mon avoir Bible. Mais il y a un côté. Tu crois ce qui est dedans? Il y a un nous, amen. 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 Donc, il dit, mon maman étudie la Bible. C'est là qu'il a eu problème. Non, on cherche l'exode 22, il s'est juste en train d'enseigner le plan de Dieu. Il cherche, il va au dernier là-bas, il trouve un de son on a que Dieu est fermé. Maintenant, il vient me voir. Il veut te dire, c'est un page. J'ai un pour là. Il va vivre à fond de moi. Il dit l'exode 22, qui s'est dit, c'est un page. Là, son est fermé pour exode de fermé. On va pas les voir. Le deuxième lit de la vie. Après, j'ai bien compris. Il ne suffit pas seulement d'avoir la Bible. Il faut comprendre ce qu'il y a. Et là, nous, ce qu'on a dit, quelqu'un dit amen. 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 C'est ça ton problème. Tu as même ça. Même tu ne comprends pas ce qu'il y a. Vous êtes mal nourri. Voilà. Il dit aux gens, quelqu'un qui manque à riz, un sucre. Si j'ai gari, tu veux fabriquer du papier gari. Et quand gari, mais il gagne. Tu fais pizza, tu es bien. Et quand tu es bien, on est gari. Vous donnez à manger. Mais t'as gari, mais. Dis amen. Vous devez posséder votre environnement. Il faut qu'on parle de vous. Dieu a appelé Abraham et dit. L'Abraham, je rentre ton nom grand. La mignonne, quel est le nom? Pas Dieu t'appelle pour te jouer toi. Tu vas pas faire un peu de le jour où les gens verront des choses se produire, parce que la parole de Dieu doit produire des choses. Quelqu'un te dit amen? Amen. Tu as l'église, on te regarde, ta chemise, ton pantalon, mais. Si je dis la même chose, ils sont de quelle planète? Qui va m'appeler de tout? Amen. Amen. Les gens sont nés même, ils se disent qu'ils vont jamais avoir vont mourir. Tu as le pouvoir, amen. Luc 10, verset 19. Luc, comprends. Jésus dit d'avoir le pouvoir. De marcher, voilà. Ils sont des enseignants, marcher. Ah, non, pour moi, quand on a, le jour ils sont programmés, pas pour le programme en bas de premier. Mon sang, est il est mort, c'est moi qui ai le jour. On est là. Il ne voit pas les autres qui vont manger, c'est toi. Oh, il y a mon bon lit, on ne mange pas. Oh, Dieu. Il ne voit pas ta forme de Dieu sur toi. Oh, il y a la bonne idée, les corbeaux. Tu as fait, va aller manger l'autre. Non, on a mis dit, bon Dieu. C'est pas moi qui ai mangé. Amen, la vie. Amen. Non, on a fait réunion. Un gourou. On a fait réunion, les gens font pas 6 mois. Mais le jour où ils disent mon nom, ils disent mon nom. Ouais, moi, ça me dit rien. Et non, c'est. J'ai dit aux sorciers, mais pourquoi ils ne m'attaquent pas aux autres? Et il y a pourquoi ne m'attaquez pas? Il y a rien pour y aller. Attaquez-moi un jour. Aïe, on ne voit pas y aller. Viens m'attaquer. Ah, ben, il y a rien comme. Vous verrez. Avant de venir. Quelqu'un pour voir son frère. On va tous les casser.
Amen. Vous dormez avec le pouvoir que vous avez. D'accord. Il y a des choses qui vont changer tout à l'heure. Oui, amigo. Les choses vont changer. Amen. Oui, amen. Oui, on va te consacrer à Dieu. Voilà. On va te redonner des forces spirituelles. Amen. On va commencer à régner. Et lui, Paki. Amen. Amen. Vous avez le pouvoir. Ça dépend de comment tu utilises ce pouvoir. Mais un pilon, il est si vous tardez de passer 4 heures.